Grand et petit, c'est un documentaire, un moyen métrage qui parle de la découverte de l'univers par un groupe d'enfants accompagné par une astrophysicienne en pleine nature, dans la montagne en Suisse. J'ai entendu une fois un astrophysicien à la radio qui expliquait les trous noirs de manière à ce qu'on comprenne ce que c'est. Et j'ai tout de suite pensé, ce serait chouette de voir ça, de découvrir l'univers à hauteur d'enfant. Donc je voulais placer des enfants devant une caméra qui découvre l'univers. Ça, c'était l'idée de base. Et ensuite, il a fallu écrire, créer un film autour de ça, raconter une histoire. Et donc j'ai travaillé avec une scénariste, Marianne Brun. De là est née l'idée de raconter un parcours où il y a une évolution en fait pour ces enfants, et nécessairement il fallait que ce soit cinématographique et pédagogique pour qu'ils puissent avoir une espèce d'appréhension de l'univers depuis la naissance du Big Bang jusqu'à la découverte, jusqu'à aller à un observatoire et voir les étoiles en vrai. En fait, on a créé des ateliers. J'ai rencontré l'astrophysicienne Stéphanie Junot qui fait partie du film, et avec elle et ensemble avec la scénariste, on a créé des ateliers pédagogiques. Et on voulait que ce soit dans la nature, que les enfants en fait éprouvent ce que ça fait de la naissance du Big Bang, la naissance des étoiles, un trou noir, la relativité générale, même la courbure de l'espace, etc. Le vrai focus, c'était la découverte de l'univers. Mais par la découverte de l'univers, en fait, la grande question du film, c'était quelle est ma place dans ce grand tout. Et c'était placer ces petits êtres face à cet univers immense et cette petite Terre qui finalement en fait est tellement éloignée des autres étoiles et de la possibilité de vivre ailleurs qu'on comprend que c'est la seule possibilité qu'on a de vivre ici et que c'est un petit peu extraordinaire en fait. À chaque étape, on comprenait, les enfants en fait comprenaient « Ah ouais, on est tout petit, mais c'est super en fait parce qu'on peut vivre là, enfin, on a tout ce dont on a besoin, etc. etc. » On comprend que tout est lié, que voilà, et puis qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Ça, je pense que ça, c'était une réelle prise de conscience, on l'a vu en tout cas. En fait, j'ai su la semaine dernière que le film était sélectionné pour ce festival, je ne connaissais pas ce festival et j'ai eu le festival du film écologique, j'étais là, oh, c'est génial, j'étais ravie. Je me questionne tous les jours par rapport à ça. C'est une grosse source de presse de stress quotidienne et parfois je me dis, ok, qu'est-ce que je fais pour ça? Qu'est-ce que je fais activement? Et là, tout d'un coup, je me dis, ah bah, j'ai quand même déjà fait quelque chose peut-être qui va un peu dans ce sens-là. Et puis, les prochains projets vont encore dans ce sens-là. Donc, je pense pas maintenant, j'ai du mal à séparer, faire des films et allier avec une pensée écologique en fait.